Aujourd'hui, nous sommes à l'Université pédagogique de Maputo. C'est le début du séminaire de l'école doctorale régionale pour la zone sud. Nous avons des activités du 7 au 11 novembre. Et pour nous, l'Université pédagogique, c'est un événement très important. Imaginem só que nós temos cerca de 39 mil estudantes para cerca de 80 doutores atualmente. Imaginons um exemplo, qu'on est 38 mil étudiants pour 80 enseignants. 80 doutores. Ou 80 docteurs. Então isso é um desequilíbrio muito grande. Né? Esses doutores vão impulsionar a formação dos outros para que a qualidade também aumente. Então, desse côté-là, há um très grande desequilíbrio se on compte o número de estudantes e de formantes. Et là, ça va nous permettre de former d'autres doctorants pour pouvoir impulsionner l'activité dans l'institution. La problématique de la relève, c'est que dans les universités du Sud, il y a vraiment un problème de relève. Il n'y a pas assez d'enseignants-chercheurs, alors que la population étudiantine est très en nombre élevé. Donc ici au Mozambique, vous allez voir que par exemple aux universités, le premier cycle de l'université, on a beaucoup plus de professeurs avec licence que des professeurs avec master. Et pas encore que des professeurs avec doctorat. Et là, je pense encore que si on veut vraiment s'occuper de l'éducation, il faut avoir un doctorat. Bon, en tant que l'un des meilleurs étudiants français, l'université a décidé de m'embaucher, l'université de Dar es Salaam a décidé de m'embaucher en tant qu'assistant au cours de français. Et c'était en 2006. En 2007, je suis parti à l'université de Genève pour un master en français langue étrangère en tant que professeur universitaire. Et donc, je dois avancer mon niveau, mon grade pour rester toujours, pour garder en fait mon emploi. Je suis motivée pour faire le doctorat, mais je pense que tout cela dépend de l'institution, de l'université. C'est vrai que je ne travaille pas à l'université pédagogique, mais ça dépend des besoins de l'université. Si on veut que je travaille à l'université, je vais continuer sur mon travail de recherche sur la toponymie Amatola pour que je puisse, dans l'avenir, aider à l'université pédagogique à développer ses champs de recherche. Oui, c'est pour des raisons personnelles d'abord, et puis pour des raisons professionnelles. C'est bien, moi j'ai toujours voulu avoir un doctorat, et ben là je vois une occasion d'en avoir. Après avoir eu ce contact avec les sciences sociales, je trouvais que la littérature avait la chance de pouvoir travailler en simultané de nombreux aspects qui sont reliés aux sociétés et en tant qu'enseignant. Je travaille sur l'évaluation. Je travaille l'évaluation en parallèle avec les objectifs d'enseignement du français au Mozambique. Puisque à un moment donné, on a senti des changements qui ont été faits dans notre système d'éducation
particulièrement dans le département d'enseignement de la langue française. Mais il y a de fortes chances quand même. Soyons optimistes. Oui, oui, voilà, ce serait mieux. Non, il faut essayer de travailler pour mes. Mais c'est aussi une motivation pour finir votre mémoire, commencer à réfléchir à un sujet de thèse. Voilà. Vous avez le temps, là, vous êtes dans les temps, c'est possible. À titre de conseil, parce que nous, c'est la première fois qu'on a cette occasion. Et je vois que vous avez de l'expérience. Donc, pour moi, ça va être difficile, comme vous venez de dire, c'est à nous de choisir. À ce moment-là, il faut envoyer tous les documents par écrit. Tous les documents, y inclut votre mémoire de master. Et tout ce que vous avez publié en article scientifique ou publié, fait en cours, en matériel didactique, tout ce que vous avez produit. Je pense que le séminaire a été très important parce que il nous a aidé à réfléchir, à bien réfléchir sur ce que nous voulons faire dans les doctorats. Le séminaire nous a apporté beaucoup d'éléments qui vont nous aider. Pour moi, le séminaire a été très important. D'abord, parce que il m'a amené à améliorer mon projet de recherche de master. Il m'a aidé à bien préparer la dissertation que je vais faire, que je vais écrire. Et il m'a aussi donné des outils pour mieux penser dans mon thèse, donc dans mon doctorat. Et là, je pense que tout celui qui pense à faire un doctorat, je pense qu'il a besoin d'un séminaire comme celui-là, afin d'avoir une semaine comme celle que j'ai eue, une semaine de mieux penser, de mieux se concentrer, pas seulement dans son master, mais aussi dans son futur doctorat. Oui, très positif, très positif. Si, je participe dans ce séminaire. Bon, et là, je dis que j'ai eu la chance. On a appris les outils que nous amèneront à pouvoir poursuivre cette formation. Nous avons des exemples de gens qui sont dans le processus et puis le fait qu'ils partagent leurs expériences, ça nous motive et ça nous a énormément aidé parce que d'abord leur présence nous montre que c'est possible. Voilà. Le séminaire Maputo a en fait clairement montré la différence entre le master, en mémoire de master et une thèse, parce que nous avons eu plusieurs interventions de la part des experts. Ce séminaire est très important pour nous parce que nous avons pensé, après notre première édition de master, à ouvrir des formations en doctorat. Mais nous avions toujours des problèmes internes. D'abord, de la préparation des enseignants, mais aussi de la motivation de nos étudiants. Et pour nous, donc, ça a été important d'avoir ces séminaires, surtout ici à Maputo, pour que nos candidats commencent à entrer dans l'esprit de ce qui peut être un doctorat. Et le séminaire a été important aussi pour nous enseignants qui ont pu participer dans ces séminaires et voir et comment on pourrait organiser et surtout comment ils peuvent intégrer des réseaux de recherche, ce qui est très important quand on se lance dans un programme de doctorat. Deuxièmement, je pense qu'avec la venue des enseignants d'autres universités dans ce séminaire,
estabelece-se uma espécie de troca de experiências, troca de objetos de pesquisa, mas também troca de experiências de tutoria, né? Nos trabalhos de tutoramento. Então, on établit une sorte d'échange d'expérience au niveau des enseignants et au niveau de la mise en place de direction et co-direction des travaux de recherche. Et le fait que nous avons maintenant cette possibilité d'avoir de travailler en doctorat avec d'autres universités et surtout de travailler en réseau, c'est surtout un surplus pour nous parce que nous allons nous intégrer du coup dans d'autres réseaux de recherche et nous avons certainement avoir d'autres expériences qui sont importantes pour enseigner à ces niveaux. Terminé, je remercie beaucoup l'École doctorale régionale pour cette occasion. Et je remercie aussi l'AUF pour l'appui.